Froid. Le centre Elliott est piégé dans la glace. La source du problème est située sur le toit. C'est sûr que c'est prise. Je vais me rapprocher. Unité du centre Elliott, appui aérien en route. Coup de feu tiré aux étages supérieurs. Hélicoptère, vous pouvez jeter un œil? Ok. Le GCPD peut pas gérer ça seul. J'y vais pas. La place est dégagée. Comment ça se passe là-haut? Jetez vos armes, on est en tout grand feu. Retour de feu! La tempête se renforce. Je vous recommande de vite trouver un accès au centre Elliott. Je crois qu'on peut remercier l'hélico du GCPD.
glace peut rendre le bâtiment instable. Bien reçu. Faut atteindre la machine météo. Tu dois pas avoir beaucoup de temps. Il y avait encore des visites en cours quand Freeze est arrivé. Ils sont morts sur le coup. J'entends quelqu'un, là-haut. Reste hors de leur vue. T'as vu? Et on se couche. Vas-y si tu veux mourir d'hypothermie. C'est mieux que mourir d'ennui. C'est fini pour toi. Thank you.
fait dodo maintenant. Pour prendre l'ascenseur. Tu veux vraiment grimper tous ces escaliers? Allez, on grimpe. Ces câbles au sol. Je parie qu'ils mènent vers Freeze. Quelle est la situation? Nombreuses victimes et température en baisse. Il faut qu'on l'arrête. Vite! J'y suis presque. Je vois la machine météo. Attention, la machine siphonne beaucoup de courant. Bouilleur de champ en place. Et il se charge. Éloigne-toi de mon générateur de tempête! Vous avez pas trouvé mieux, Damon? Vous devriez vraiment vous éloigner de ce toit, avant que le brouilleur s'active. Faites-moi confiance. Peu importe! J'ai déjà tout ce qu'il me faut. Une tempête s'est levée sur Gotham. Et rien ne pourra l'arrêter. L'avenir me dit. Tu n'es pas de taille face à moi. Tu as déjà perdu. En ligne. Regarde Gotham et tombe à mes pieds. Batman m'a promis un antidote. Il aurait dû tenir sa promesse. Batman est parti. Et il voulait le tuer. J'ai trouvé une autre méthode. Une méthode qui repose sur le chaos. Le brouilleur va tout surcharger. Et votre combinaison aussi. Qui ose me provoquer? J'essaie de vous prévenir. Succombe au froid. Vous allez tous se geler. Tu n'as nulle part où aller. Tu vas mourir. Personne ne peut m'échapper. Contemple le pouvoir. Je suis plus puissant que tu ne peux l'imaginer. Je classerai tout ça.
Le brouilleur de champ est presque chargé. J'ai peur qu'il reste peu de temps avant son déclenchement. Regarde, Gotham sans Batman. Un désastre, une cause perdue. Laisse le froid t'envahir. N'est rien sans son Batman. Je détruirai cette ville. Bordel, Chris, c'est pas le moment de jouer. Il est temps d'en finir. Admire mon pouvoir. Gotham est condamné. Elle se prend pour Batman. Tu ne m'arrêteras pas. Prendre plaisir à te voir geler. Une sécurité. Ok, préparez-vous. Réinitialisation système réussi. Flux du cryogène activé. Reese, est-ce que vous m'entendez? Il fallait me laisser mourir. Ça aurait été bien plus simple pour toi. La machine météo est désactivée et la tempête s'estompe. Il a dit que j'aurais dû le laisser mourir, mais ça ressemblait à une menace. Victor a toujours eu le potentiel de semer le chaos à Gotham. Jusqu'à ce soir, une once d'humanité l'en empêchait. Et maintenant, eh bien, on remplace son humanité. Content que vous soyez de retour.
Freeze a beau être en prison, ses armes cryo sèment toujours le chaos dans les rues. Il en faudra beaucoup plus pour que les régulateurs renoncent à cette technologie impressionnante. Il faut qu'on détruise les stocks qui leur restent. Mais d'abord, on doit trouver où ils les planquent. Il serait temps de discuter avec nos amis régulateurs, dans ce cas. Vous êtes télépathe. La température s'est effondrée à Gotham avec l'arrivée d'une tempête hivernale mortelle dans la ville. Selon les autorités, la tempête aurait été créée par un dispositif de pointe déclenché sur le toit du centre Elliot par le docteur Victor Freeze, mieux connu sous le nom de Mr. Freeze. La machine, prétendument fabriquée avec du matériel volé à Star Labs et achevée en secret par Freeze dans un centre de quartz,